je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Note ? Hé, hey, vous voilà. Tu m'as l'air occupé, non ? Quoi ? Ah, lui. Ouais, il m'a prise pour une intruse. Il l'a regretté. Oh, la ferme-toi ! Je suis en train d'enquêter sur un méga contrat. Trop énorme pour les crétins qui utilisent 404. Ce contrat-là, il est différent. Et dangereux. Et différent. Et dangereux. Et différent. Et Nicolas Flamel. Et différent. Le Balkany. Ad vitam aeternam. Tout ce que vous êtes est dans votre cerveau. Vos amours, vos peurs, vos rêves, même les plus coquins. Tout n'est que signal électrique naviguant entre vos deux oreilles. Et ceci, à cet endroit, est plus puissant que n'importe quel ordinateur. Non. Si nous pouvions numériser notre cerveau et transférer notre carte neuronale dans le cloud, cela impliquerait la fin de la souffrance humaine. La mort n'existerait plus. Bienvenue chez vous, Sky Larsen. C'est un plaisir de vous revoir après une si longue absence. Fais pas de vagues. Tellement de détails. Tellement épuré, tellement... Oh. Wow. Bienvenue dans votre laboratoire. Dites-moi que vous voyez ce que je vois. À cette profondeur, il est impossible de capter un signal. On dirait que vous avez trouvé des informations par vos propres moyens. C'est un peu comme les poupées russes. C'est de toute beauté. Une maison dans une maison. Ah mon Dieu, cette pauvre petite bête. Comment est-ce que Sky a pu torturer un être vivant? Vous voudriez peut-être aller... Aujourd'hui, premier jour, nous allons passer à l'étape de la suppression neuronale. Le sujet est Shined Larsen. Activation en cours. Sky, où est-ce que je suis? Je n'y vois rien. La lucidité du sujet confirme ce que le code indique. La carte neuronale est intacte et fonctionne parfaitement. Le sujet? À présent, nous allons supprimer des lignes de code. Quoi? Oh mon Dieu, tu m'as désobéi. Ça suffit, maman. Mon ange, je t'en supplie, ne fais pas subir ça à ta pauvre mère. Laisse-moi partir en paix. Tu n'as jamais cru en moi, maman. Il est temps que ça change. Deuxième jour, la région motrice n'a aucune utilité. Contrôle A supprimé. Je me sens mal. Douzième jour. Pour l'instant, préservons le code limbique. La réponse émotionnelle est fascinante. Vingtième jour. Passons au lobe frontal. Mon nouveau système de sécurité n'aura plus besoin de réfléchir. Sky, je t'en supplie. La douleur est insoutenable. Code temporal. Fonction du langage altéré. 29e jour. Cette fois, nous allons supprimer le code limbique. En quoi puis-je vous être utile, Sky? Et donc c'est l'IA qu'on entend, allumez, Peter. La lumière. Très bien. Mets-moi de la musique. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Écoutez-moi, ce que vous avez vu dans mon laboratoire n'était rien de plus que les étapes préliminaires d'une expérience très importante. C'est peut-être difficile à accepter, mais le programme Daybreak est l'avenir de l'espèce humaine, le seul possible. Il n'y a qu'à voir. La corruption, le changement climatique, la guerre nucléaire, l'humanité est vouée à s'autodétruire. Mais le programme Daybreak peut changer tout cela. Aidez-moi à atteindre la prochaine étape de l'évolution humaine. Nous pouvons sauver des vies et nous élever vers un avenir meilleur. Ouais, je la tue. C'est une connasse. Non, pitié. Ne faites pas ça. Je ne peux pas mourir.
Oh non. Non. RIP.